Bonjour à tous et à toutes, c'est Italo 1999-1960. J'espère que vous allez très bien, parce que moi, c'est un des plus beaux jours de ma vie, on va dire, parce qu'aujourd'hui nous débutons notre premier let's play sur cette chaîne. Donc voilà, donc premier let's play sur Far Sky, comme vous pouvez le voir. Et donc on va lancer la partie sans plus tarder. Donc il faut savoir que Far Sky est un jeu indépendant, qui est sorti en je ne sais pas quelle année. Mais il est assez récent comme jeu, je crois. Je l'ai volé à un ami, on va le dire comme ça. Franchement, je l'ai volé à un ami. Et donc voilà, donc c'est un jeu qui peut être assez détente. Les images sont pas super belles. Alors attention. Mayday, Mayday, Mayday. Mon sous-marin s'est cassé en plusieurs morceaux. Nathan, Nathan, vous allez bien? Aucune réponse. Nathan, répondez-moi! Donc là, notre personnage, Nathan, ouvre les yeux. C'est magnifique. I'm fine, don't worry, Madison. Je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Ah, merci, Dieu, j'étais si effrayé. Je ne vais pas survivre très longtemps sans oxygène. Il devrait y avoir une base à côté de votre position. Je vais vous envoyer les coordonnées. Donc en effet, c'est la base là. En effet, vous pouvez voir la carte là. Là. Sous vos yeux ébahis, c'est magnifique. Voilà, donc ce let's play va se passer entièrement sous l'océan. C'est une grande particularité que j'ai bien aimée. Attendez, excusez-moi, j'ai un peu le son fort dans les oreilles. Voilà. Tout se passe dans l'océan. Nous serons en compagnie de charmants poissons. Des monstres. Alors, je suis dans la base. Bien, il y a peut-être plusieurs affaires. Allez, vous allez bien? J'ai été meilleur. Je pense que je devrais m'établir et trouver les pièces du sous-marin pour retourner à la surface. Ok, je vais t'envoyer les coordonnées du bateau pour te récupérer une fois que tu seras à la surface. Bref, donc voilà, donc l'histoire se passera entièrement sous l'océan, comme je disais. Il y a des poissons. Il y a certains bugs parce que c'est qu'une bêta. Donc je trouve ce jeu assez joli tout de même fait par. Étant donné que c'est. Qu'il est indépendant. Allez, t'es cool, voilà. Et puis voilà, donc on va commencer l'aventure tranquillement. Alors je vous cache pas que j'avais déjà joué un peu à ce jeu, mais j'ai jamais fini. J'ai atteint un stade où vous voyez des monstres trop puissants pour mon niveau. Donc parce qu'il y aura des barracudas, des. Comment ça s'appelle? Des requins et des pieuvres. Bon, les pieuvres, puis Kraken, qui défoncent toutes les bases aux alentours, qui vous tuent en moins de 2 secondes, bref, c'est complètement pété. C'est puis voilà. Donc je suis très content de vous retrouver sur ce display, parce que c'est le premier de la chaîne, c'est magnifique, c'est un grand jour, on va dire. Donc le rythme de diffusion, j'en ai aucune idée, parce que j'ai. Étant donné que c'est que le début, voilà quoi, je me suis pas mis un rythme fixé. Oh, on entend les dauphins. Un rythme très fixe. Et donc voilà, mais sinon, ce sera des épisodes d'environ une vingtaine de minutes. Et voilà, donc après, je ne sais pas du tout comment ça va se terminer, si un jour on va le finir. Ah, je vais faire en sorte que ça finisse. Normalement, il devrait durer une. Plus de 10 épisodes sûrement parce que je suis très très lent. Pour finir les jeux, ça. J'ai toujours été très 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 lent. J'aime bien profiter, c'est de regarder les images. Ah, des Raymanta. La viande de Raymanta est très riche quand même. Ah, je suis sadique, non. Ah, hop. Donc on va dire que c'est un peu comme l'interface de Minecraft, on mine, on récupère des objets, on peut crafter. Bon, beaucoup d'autres jeux font ça, mais bon, Minecraft est le plus récurrent pour ça. Et voilà. Mis à part ça, non, ça va, je me suis pas chié. J'ai bugué pendant 2 minutes, hein, désolé. Échelle, voilà, merci. Alors, donc vous verrez souvent cette interface, parce que ce jeu pour ça n'est pas très pratique, ça faut l'avouer.
Il peut être très bien, il peut être. Il peut détendre. C'est mignon, c'est joli. Si j'ai rien dans la main, donc je peux pas poser, forcément. Voilà. Et puis voilà, qu'est-ce que je dis? Donc, on va se faire un peu d'armes, tout de même. Un peu des armes. On va récupérer. Donc là, ça va être surtout phase préparation. On papotera. Voilà. C'est tranquillement. Peut-être qu'on découvrira les premiers ennemis. Voilà. Donc ça, c'est un barracuda. Voilà. Donc là, vous avez l'exemple type du barracuda qui veut votre mort. C'est donc ils sont attirés par tout ce qui est odeur du sang. Donc là, je récupère du fer depuis tout à l'heure, si vous voyez pas. J'ai qu'un petit lag. Voilà, c'est bon. Et donc voilà. Donc les barracudas qui vont être nos pires ennemis au début avec les requins. Parce que dès qu'ils vont sentir du sang, si on attaque un poisson pour manger, c'est ça est fini de nous, parce qu'on n'a pas d'armure là, comme vous pouvez voir. On n'a même pas de stuff pour se protéger, c'est oh! Début magnifique, on va dire. Donc là, non. Donc voilà. Donc maintenant, on a un petit couteau pour se protéger, c'est génial, c'est la folie. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Là, parce que, là, donc on se prend ça qui a aucune utilité pour l'instant. Ouais, c'est logique, hein, ce que je suis en train de faire, vous inquiétez pas, c'est moi, elle est très bien dans ma tête. Voilà, donc là, on va rajouter des étages. Ouais, parce que aussi, on peut customiser sa base. Enfin, customiser en soi, tu peux juste mettre des tables, ajouter un étage ou des choses dans le genre, mais bon. Bref. Voilà. Donc, bah, je voudrais vos impressions quand même sur ce let's play, si ça vous plaît, ce style-là. Donc là, on peut voir que sur la carte, il y a différents, on va dire, cercles jaunes qui définissent ainsi une zone. Et c'est là où il y a des pièces de sous-marin pour remonter à la surface. Donc par exemple, là, le petit tas marron qu'on peut voir là, c'est du charbon. Là, il y a mon extracteur. Là, c'est le sous-marin. Enfin, c'est mon sous-marin que je dois reconstruire. Après, il y a des coffres. Donc voilà, donc on va se diriger vers une première pièce. Attention, suspense. Oh! Une lumière blanche, mais qu'est-ce que ça peut être? Voilà, donc là on peut voir notre sous-marin qui se reconstruit petit à petit. Donc on a une pièce sur neuf. Donc on peut croire que ce let's play est assez court, mais vous inquiétez pas que il y a des moments où je ramerai un peu parce qu'il faut énormément pas de patience, mais de préparation pour aller dans certains fonds. Parce que si vous voulez, là on est juste sur la face la plus haute, là où on peut, là où la pression n'est pas si grande que ça. Du coup voilà, donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais ce sera des vidéos de 20 minutes à peu près, donc rythme de diffusion, aucune idée. Alors, ça, voilà. Mais évidemment, je n'ai pas mis de chronomètre pour savoir où j'en étais, c'est juste génial, donc j'essaye de le mettre là. Non plus. Minuteur, oui, allez. Donc voilà, hop. Remonter à la base. Donc oui aussi donc comme je vous ai dit on pouvait manger les poissons donc on va aller en tuer on va aller en tuer tout à l'heure pour en manger parce que regardez ma jauge de faim est à 64% plus de la moitié donc c'est pas très bon signe. Et donc voilà donc on va essayer de construire des pansements. Voilà des pansements, il nous faut ça. Alors oui donc comme je vous disais je connais un peu le jeu parce que j'ai un peu joué mais que pendant une heure et demie. Bon oui donc voilà. Meurs, petit poisson. Alors, vous avez vu un requin en fond, normalement. Enfin, là-bas, c'est une raie mantarde, hein, je suis pas débile. Mais, ça va. Donc, ce poisson a pas lâché de sang, donc ça veut dire que ça a pas excité les ennemis autour. Donc, on avait pu apercevoir. Bon, voilà. On aurait pu apercevoir une deuxième pièce que j'ai pris tout à l'heure, tout va bien. Donc, ça, c'est bon. Ah non, c'est pas le sous-marin. Ça c'est un magnifique bateau déchu. On va dire. Voilà, donc peut-être que certaines personnes connaîtront ce let's play et pour me donner des conseils quoi faire comment dans quand j'ai eu des j'ai amélioré j'aime pas ce bruit j'aime pas ce bruit j'aime pas ce bruit voilà donc typique du barracuda qui nous attaque je vais juste lui mettre un coup bien fait pour toi Abou va-t'en méchant. Donc aussi on a une jeune de saut pardon. Donc regardez le viseur, il y a 5, enfin maintenant 2 petites barres et ça montre combien de fois je peux encore sauter. Mais parce qu'on est dans l'océan pour sauter 5 fois, tout va bien, c'est.
Voilà. Mais je me demande. Enfin, bref. Donc, il y a quelques petits lags là, désolé. C'est dérangeant. Ah, j'ai si faim. Pourquoi tu ne tuerais pas des poissons pour manger? Voilà, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et il nous faut faire un four. Wow, ressemblant à Minecraft, évidemment. Certains diront. Alors, cooker. Qui se fait avec six fer? Oui, évidemment, je n'ai pas six fer. Bolos level midi 1000, ok? Là, tac. Hop, on récupère. C'est ça qui est bien parce que lui, il mine à notre place. Bon, certes, c'est plus vite. Ça va beaucoup plus vite de miner nous, mais bon. C'est niveau gain de temps, ça va. Donc, il n'y aura pas que du fer. Hein. Comme vous avez pu voir, il y a un autre minerai que je sais absolument pas ce que c'est. Allez, voilà, merci. C'est gentil. Donc, je ne sais absolument pas ce que c'est, là, l'autre minerai, mais bon. Oh. Eh, allez. Eh bien, excusez-moi, parce qu'il y a eu une... il y a eu une ellipse, en effet, parce que mon jeu a complètement crash, et mon logiciel de tournage aussi. Donc, du coup, c'est pour ça que vous voyez la barre de faim qui est à 100%. En effet, on est prêt à mourir de faim. Ça ne le fera pas parce que c'est un peu une phase tutoriel. Et j'ai vu un requin passer là. Du coup, le temps que je redémarre tout, voilà. Donc, il y a une petite pause. Oui, on excusez, après tout. Qu'est-ce que serait un épisode du premier. Le premier épisode du premier Let's Play sans fail, hein, vous me direz. Bon, là, il raconte juste qu'il faut vite que je mange quelque chose. Parce que je viens juste de prélever du charbon pour faire cuire justement la viande de poisson que j'ai eu. What? Eh bah, ben, c'est où l'échelle? Allez. Donc, voilà, donc. Petit contretemps, on va dire. Juste si l'écran est pas de la même taille, c'est normal, hein. C'est que j'ai dû relancer le jeu et la taille de l'écran s'est modifiée toute seule. J'ai pas compris pourquoi, mais bon. Ouais, j'espère que ça sera pas trop gênant. Du coup, donc là, on finit. Il doit rester. Il fallait faire le four. Voilà, donc on a fait notre four, notre joli petit four qu'on va mettre ici. Tac. Et là, on met le charbon et la viande de poisson. Voilà. C'est du troll. Et hop, voilà, donc ça va un peu mieux. 85%, c'est toujours pas ça, mais bon. Ça cuit assez vite, même. Donc. Voilà. Il est content, on a mangé, donc c'est bon. On va faire cuire des patates, oui, ça cuit. Ok, donc je connais pas toutes de ce jeu. Voilà, je me suis trompé de touche, c'est pour ça que j'ai bugué. Je ne connais pas encore tout de ce jeu, donc si j'apprends des trucs au fur et à mesure aussi, vous pouvez m'apprendre des choses hein, parce que vous devez participer vous aussi, vous qui regardez la vidéo pour m'aider à m'améliorer ou bien me faire avancer si vous voyez que je bloque trop. Donc, bah écoutez, on va voir ce qu'il y a un peu aux alentours. Parce que. On va aller vers cette zone. Cette zone, ça me semble parfait. Du coup, c'est juste derrière. Voilà, parce qu'il semble y avoir des pièces. Des pièces pour le sous-marin. Et étant donné que ça continue normalement et qu'on peut pas avoir plus de ressources que ça. Coucou le requin. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ok, il est aveugle. Bien, ok, parfait. Donc, vous pouvez voir juste au-dessus de mon inventaire une barre bleue qui descend pour essayer. Il est là, bingo! Une barre bleue qui descend pour essayer. On va pas mourir parce que, un, vous pouvez vous foutre de moi et deux, je me foutrai de moi tout seul. Ce sera comique. Bah, faut pas les gars, si on meurt, on va retrouver notre stuff. Ouf. Ouh, le coup de couteau, mon frère! Ouh, le coup de couteau. Bon, bref. Je vais manger un peu trop là. Ah, ok. Donc, il y a le gang des requins là. Gang de requins le retour. C'est. Hop. Genre, j'ai avec mon couteau. What the fuck? Ouais. Ah, oui. Ça. Donc, là, il saigne. Du coup, on va perdre de la santé. Petit lag, désolé.
Tac, on va prendre des petits bandages. C'est peut-être pas le moment, mais c'est pas grave. Ok, on prend. Voilà. Donc notre première mort, c'est juste magnifique. On a été tué, mais par un barracuda. Bref. Ouais, donc on respawn. Loading day. Loading game. Bref, c'était magnifique. Premier fail. Enfin non, second fail de cette let's play. Je pense qu'il y en aura plein d'autres. Hein. Ça vous inquiétez pas. Pour voir à quel point je suis bon à ce jeu. Et donc il est long le chargement. Bon sinon j'espère que toujours que le concept vous plaît de ce petit let's play. Je trouve que la musique d'ambiance en soi elle est trop bonne. Donc voilà, vous pouvez voir sur la carte en haut à droite qu'il y a une petite croix. Donc c'est là où je suis mort et c'est bien parce qu'on récupère tout notre stuff. Take all. Donc maintenant on va juste réajuster tout ça. Juste réajuster. Tout à fait. Voilà. On peut pas récupérer le coffre, je crois. Alors, donc on avait décidé de partir par là-bas. Voilà. Donc pas la pêche aujourd'hui. Allez. Gang de requins, le retour, c'est ça? Non, c'est voilà. La Xbox des ennemis est très très mal faite tout de même. Il faut les leur passer dessus. Allez, génial. Alors plus tard on aura un harpon hein, ça vous inquiétez pas, enfin un harpon comme un comme un sniper mais pour mais avec des flèches, une arbalète quoi, côté. Et, alors, il va m'énerver ce requin là, viens là. Fait le monumental, vais-je mourir une deuxième fois à cause d'un petit jeu. Car voilà. Ah oui, donc là vous voyez, vous pouvez voir que ça descend, mais là ça va. La profondeur est encore raisonnable. Allez, bon cette fois-ci j'ai été tué par un requin. Je sens que cet épisode va être très long, c'est génial. Enfin, cette fin d'épisode. Donc voilà, donc je savais plus trop où j'en étais à cause de cette ellipse, parce que faut savoir que je suis revenu quelques heures plus tard. Parce que j'avais d'autres choses à faire. Et donc voilà. Donc durée des vies, ça je vous l'ai dit la durée. Quand ça viendra, aucune idée. Mais là je vais essayer de d'upload cette vidéo ce soir, oui, parce que là je tourne le matin. Je vais essayer d'upload la vidéo ce soir. En faisant quelques montages. Le rendant un peu mieux parce que là comme ça c'est pas très bien et puis voilà hein, c'est déjà pas mal. Donc on a eu du poisson, du bandage, hop voilà. Bref, après c'est de fail, on y retourne. Donc on peut trouver de l'or. Allez, oh non, j'en ai. Connerie à ne pas faire, ne pas aller plus bas que ça. Parce qu'on peut aller. Ah oui. On peut aller au maximum à 180 mètres de profondeur. Ouais, donc là c'est encore bon. Donc là, tout va bien. Il n'y a aucun ennemi, que des poissons. Voilà, donc c'est cet aspect du jeu que j'adore. Parce que c'est très très calme. On a la petite musique qui se met à la tête derrière, mais tout va bien. C'est très très calme. Je like, ça veut dire qu'il y a un ennemi. Là, c'est. J'adore cette ambiance. Sérieusement. J'adore cette ambiance. Donc là, on arrive à côté d'une pièce qui sera peut-être. Non, 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 non. Inaccessible. Attention, la pression est vraiment trop haute ici. Là-bas. J'attendrai pour me préparer. Donc là, oui, ils nous disent qu'il faut un meilleur stuff en gros pour. Pour descendre à cette profondeur là, parce que la pression, ça c'est bien fait le truc de la pression. Parce que bon, on peut voir son casque se fissurer et puis se casser. Oui, j'en ai déjà fait l'expérience sur une autre partie. Alors, donc là il y a un coffre.
Après, dès que j'aurai de quoi filmer sur console, je vous ferai énormément de Let's Play Zelda car c'est mon type de jeu préféré. Bon, il n'y aura pas que ça, hein, vous inquiétez pas, c'est. Ce sera pas automatique du Zelda sur ma chaîne, mais. J'essaierai de. Tous vous les faire, tout va bien. Tous vous les faire. Ouais, donc là, la barre bleue en bas, elle clignote, c'est-à-dire que l'oxygène est très bas. Du coup, on va essayer de revenir à la base. Et ça aurait été plutôt une phase d'exploration aujourd'hui. On commence à découvrir, c'est notre. Le monde qui nous entoure. Donc voilà, donc on va se quitter pour dans la base pour ce premier épisode et voilà. 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 Et donc ben écoutez, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère que mes commentaires vous plairont. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir pour savoir comment je pourrais m'améliorer. Et puis voilà, bah, je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode de ce Let's Play. Et j'espère qu'il vous plaira aussi. Allez, salut tout le monde, c'était Italo 1999-1960.